Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 5 du Let's Play de Rise Son of Rome. Donc, il est où mon curseur? Il est là. Alors, on va continuer. Hein. On va se remettre dans l'action, pardon. Hop, je me prépare. Tout est ok. Ça a l'air bon. C'est parti. Alors, le dernier épisode, le fils de l'empereur avait tué le roi Picte. Chose qui... Ah voilà, quoi, il va... Les gens, ils vont pas aimer. Enfin, ils ont pas aimé, puisqu'il y a eu des jets de pierre et tout ça, dont une en pleine tête. Il se l'est pris en pleine tête. Et donc, nous allons voir ce qui va se passer. C'est affreusement long, dis donc. Mais que se passe-t-il? Ah, voilà. C'était affreusement long. Donc, monter sur les remparts. Ok. Donc on sent bien que bon, on voit rien par là. Donc ici il n'y a rien. Coup de bouclier. Ouais. Il y a re la guerre. Ouais, on avait fermé les portes. Archer, en position. Faites pleuvoir les flèches à mon signal. On va prendre. Mais non. Je suis là. Tu peux voir ça. Ah oui, 20 000, ouais. Ouais, donc messieurs, ça pue. Enfin, ça pue un peu, quoi, mais. N'ayez pas peur. Je vais commander ça. Mars pète la force. Je n'ai jamais rien vu de tel. Soldats! La bataille sera féroce. Ils veulent nous massacrer. S'emparer de tout ce que nous possédons et aimons. Et ne laisser que des ruines derrière eux. Qu'ils viennent! Et nous verrons qui sera le plus fort! Archer! Tirez! Je me suis quand même pris une boule. Hein. Donnez-nous des cibles, Centurion. Alors, viser les anciens. Viser les engins. Dis donc, de siège. Alors les projectiles seront bloqués, mais le siège dans les murs. Ou alors les tours de siège. Qu'est-ce qui va être le plus chiant? Les engins de siège, c'est vrai que c'est chiant. Projectiles seront bloqués, mais les tours de siège atteindront le mur. Aucune tour de siège n'atteindra le mur, mais les airs des engins de siège se poursuivront. Non, on va défoncer ça. Parce que c'est relou. Oh! Oh, il y a déjà des monstres. Enfin, des monstres. Non, mais les mecs, c'est pas gentil, ça. De...
Oh non, je me suis trompé. La tour de siège est à notre portée. Comme leurs archers. Ouvre l'œil. Ouvre l'œil, ouvre l'œil, ouvre le feu. Je sais pas sur qui il tire quand je dis tirer, mais... Bon, allez. Je vais me mettre là. Je sais pas ce que je vise, mais... Ça m'a fait flipper ça, j'avais appuyé mais il s'est rien passé. Oh bah voilà, je l'ai pris en pleine tête. Oh dans le fondement. Ouais, désigne vos cibles. Alors, bah ça tire plus. Projectiles seront bloqués, mais attendront les murs. Ouais. Non, on a bien géré, on va rester comme ça. Balistes, visez leurs engins de siège. Ils sont à notre portée. Ouais. Ça sent plutôt bon. Santé des Romains, oh, si c'est bon. Oh regardez, c'est beau là. Oh. Oui, là-bas il y a encore des monstres. Des monstres, pourquoi je dis des monstres? Donc à chaque fois je tire mais je sais pas où. Vas-y sur ça. Ok. Bon. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Voilà. La tour s'effondre.
On va continuer, ça marche bien ça. Parce que les engins de siège, pardon, j'ai beaucoup de mal avec ça. Avec ce mot. Les engins de siège, ça va être la galère, je pense. Où ça? Une échelle, mais où? Là c'est cool, il n'y a pas d'échelle. Elle est là-bas. Hop, un bras en moins et une gorge en moins. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Oui, c'est bien ça, Jean-Romain. Ça c'est cool. Bah alors tirer. À nous de jouer. C'est leur dernière chance. Ils ne pourront plus rien faire si nous détruisons cette tour. Oh non, là ça pue beaucoup. Roule. Ça devient chaud là, dis donc. Ok, c'est ça mon tir de couverture. Et merde. Et non. Archer en position. Quels sont les dangers? Tirez. Oui, la tour s'effondre. Cus, mort, Cus. Ah non, Marius, pardon. Suivez-moi, soldats. Allez. Maximus, Maximus. Donc. Allez les gars, on est parti. Spartiate en avant. Enfin, Romain. La ville est perdue. Conduisez ces gens au navire. Alors, est-ce qu'il y a un truc caché? Non, il n'y a pas de rouleau, il n'y a rien, c'est...
Je dois aller sur les quais. Existe-t-il un autre chemin? Oui, vous pouvez passer par les bas quartiers. Ah, parce que là on est dans les hauts quartiers. Oui, c'est vrai que c'est un peu... Super. Je peux aller par les bas quartiers, mais qui se trouve là? Ah bah il est là. Allez, on est parti. Restons restons sur nos gardes. Donnez-moi une épée et j'irai affronter ces chiens moi-même. Où sont les navires? Je dois retrouver mon fils. Est-ce que quelqu'un a vu Claudius? Claudius, il est pas à la cantine? Non, je... On ne plaisante pas avec la mort. Archer, baissez-vous! Ah bah ça va. Les archers. Cool. Alors, c'est ici la cantine? Non? Qui est le tour? Ah ah! Bon, y a rien. Ouais, j'aime bien fouiller moi, comme vous le savez. Donc ici y a rien. On va monter à l'échelle. Donc si vous ne saviez pas, voici la technique hein, pour monter les escaliers. Une échelle avec un bouclier à la main. Soit je passe ici. Oh, ça j'ai bien aimé. Cité, il est là. Voilà. Comme ça, on dira que ça s'est fait. Mais bon. Là. Je peux pas en prendre, je suis plein. Et il faut passer par là. Alors comme vous aviez pu le voir, c'était très court, hein, mais je me suis complètement foiré sur le... Je savais pas qu'on pouvait le tuer en fait, façon Assassin's Creed. Mais c'est pas grave.
Ah, il y a les touristes à droite. Vous pouvez apercevoir sur votre gauche une scène du film Real Son of Home. Bienvenue dans notre parc d'attractions. Avec ça, par exemple. Elle est là, heureusement que je suis là. Je m'en doutais si on pouvait re-rentrer. Non, pas de bouclier. On est parti, on continue. Allez. Là, c'est de l'eau. Qu'est-ce qu'il voulait là ? De quoi? Descendez la barge. Ah ok, donc faut passer par là. Oh non. Descends. Non. Descends en bas. Non, c'est dégueulasse, on peut pas redescendre. Ah si, c'est bon. Voilà. Donc on remonte et on est reparti. Ah, je lui ai mis un coup de trop, lui. Je voulais faire une double exécution, ça faisait longtemps. Appuyer trop tôt. C'est fait, là c'est de l'eau, tac. J'ai trouvé beaucoup de rouleaux. Trop de sang à couler, beaucoup trop. J'ai
trouvé beaucoup de rouleaux, mais j'ai pas trouvé beaucoup de boucliers. Boucliers, ils ont l'air de se faire assez rare. Vitalion a ordonné le repli. Nous devons aller au palais de justice. Centurion, nous sommes coincés. Ça fait maintenant une heure. Leurs archers nous servent. Ces barbares refusent de lâcher prise. Encore un. Avec moi, soldats! Ils vont goûter à la force de nos boucliers! Au tranchant de Delap! Ouais, je l'ai fait trop tard. Gardez la formation! Continuez! Tenez! Au bouclier! Tenez, les gars! Tenez! Tenez bon! Tenez! Ne lâchez pas! Tenez bon! Ah ça y est, on a franchi le canal, c'est que ce délire. Ah oui, ok, d'accord. Oh les barbares, oh les sauvages, tous sur un. Oui, désolé, je m'étais trompé de bouton en fait. Je faisais L. Vous, rassemblez les survivants et repliez-vous. Sécurisez le pont pour la retraite. Je vais retrouver Vitalion au palais de justice. Je faisais L au lieu de R. Je sais plus, LB ou LT, LT je crois, ouais c'est ça. Je faisais LT, parce qu'en fait quand je suis tout seul, faut que j'appuie sur LT pour pouvoir viser. Et en fait quand on est en formation, faut faire que RT. Faut rester appuyé sur RT quoi. Non, 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 descend. Oui, j'aurais pu le faire au visuel, mais... On ne sait jamais... Comme là, des petits endroits comme ça, là... Non, bon bah allez. Go palais de justice. Ouais, regardez, comme quoi, boire trop d'eau peut tuer, quand t'as trop soif. Bon allez, on fonce,
On fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Tac, 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 tac. Ici, bouh. Voilà, un bouclier. Palais de justice. N'approche pas du palais de justice, Romain. Oh là, lui m'a fait mal. Dommage, trop loin des pics. Oh, j'avais pas vu. Oh, le salaud. Appuyez trop tôt. Puis là, j'ai pas appuyé du tout. Alors là, comme ça. C'est bon, je peux grimper. Ah bah voilà. Oui, au loin, des fois, je crois que c'est des parchemins, des boucliers, des machins. Souvent, c'est de la salade. Marius, viens, suis-moi. Nous allons peut-être pouvoir obtenir un répit. Ah non, merde. Ok, bon, j'y vais. Hop. York est perdu. Nous devons essayer de sauver le plus d'hommes possible. Le fleuve est notre seule issue. Nous les aurons à Rome, à bord du navire de guerre. Il est capable de soutenir toutes les attaques lancées par les barbares. Non, ils devront embarquer sur les autres navires.
Commodus et sa garde ont fui à bord du navire de guerre. Ils ont été les premiers à quitter le port, en jetant femmes et enfants par-dessus bord. Oui, quand même. Fils de l'empereur, je crois. Commodus, ou je sais plus comment il s'appelle. Quel est l'état de nos défenses, soldats ? Nous sommes coupés de tous les quartiers et nous essayons de tenir les ponts, mais la plupart des nôtres ont été évacués. Bien. Quand tous nos hommes seront à l'abri, nous évacuerons sur le dernier navire. Compris ? À vos ordres. Marius, par ici. Je suis là. Il faut absolument en informer le Sénat. Commodus devra payer pour ce qu'il a fait. Commodus devra payer. C'est le fils de l'empereur. Excuse-moi, mais ça pue, quoi. C'est l'empereur, quoi. Il va dire... C'est le fils de l'empereur, il va dire quoi? Non, non, c'est bon, mon fils a bien fait. Je vois mal qu'un vieux centurion comme ça dire faut le juger pour ses actes. Marius, va chercher nos hommes sur le pont et ramène les vivants. Je vais superviser l'évacuation d'ici. Ah bah voilà, tu vois, ça valait le coup de le chercher. Repliez-vous! Préparez-vous à évacuer! Je vais prendre le scorpion pour couvrir votre retraite! Faites-moi passer sur la rive gauche! Tirez! Allez! Volez de flèche! Faites! Volez de flèche! Oui, bien sûr, protection avec un bouclier. Banarius, je les retiendrai jusqu'au départ du navire. Non, c'est vous qui partez. Vous devez vivre. Le Sénat vous écoutera. Vous êtes un commandant. Ils vous écouteront. Allez-y. Voilà, fin du jeu, c'est là que Marius meurt. Ah, il y a les grandes chances qu'il vive si c'est moi qui suis à la manœuvre. Enfin, quoique. Ça, c'était énorme, ça j'aime bien. Oh! Je l'ai contré au bon moment. Ça, c'est rare. Thank you.
Voilà. On se remet un peu de life. Bon, je me suis trompé de bouton, mais c'est pas grave. Bon, allez, encore un bouton. Non, mais dis donc. Ah, nouvelle exécution, pas mal. J'aurais pu. J'aurais pu l'aider, mais bon. Allez, moi j'affronte tout un peuple. À qui le tour ? Ah ouais. Faut pas regarder derrière vu que la robe elle est soulevée. Oh là! Damoclès était un grand guerrier. Il était admiré par toute son armée. Mais ses méprisables généraux l'abandonnèrent. Némésis, déesse de la vengeance, permit donc à Damoclès de regagner le monde des vivants sous la forme d'un esprit vengeur. Un centurion en armure noire qui n'aurait de repos qu'après avoir chassé et tué tous les généraux qu'il avait trahis. Damoclès. En mode Kratos.
porte son armure noire. Enfin, toute boueuse, mais voilà, c'est pour la représentation de... Marius Titus, tu es un général de Rome. Je t'ai fait venir pour me protéger de Damoclès. Mais tu es Damoclès! Les dieux me viennent en aide! Tu es Damoclès! Oui, en effet. Et mon histoire touche presque à sa fin. Je n'avais plus qu'un seul but, un seul et unique désir. Le désir de vengeance, me venger de l'empereur Néron, qui avait massacré ma famille, me venger de ses fils méprisables, qui avaient décimé ma légion! Pour accomplir cette vengeance, il me fallait revenir aux origines, retourner chez moi. Le chemin du retour vers Rome fut pavé d'embûches. Le mal dont souffrait la Bretagne s'était répandu dans cette ville. Des réfugiés affamés se pressaient sur les routes pour échapper à la torture et à la misère, fuyant une Rome autrefois libre. Le chaos avait remplacé l'ordre. Mon seul but désormais était de regagner Rome et de mettre un terme à cette folie. Je devais empêcher Néron de détruire la ville que j'aimais. Et la rendre au peuple. Pourquoi ? Bon ben voilà. Donc on va s'arrêter là pour l'épisode 5. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'on n'est pas trop loin, 71%, je pense qu'on n'est pas trop loin de la fin. Je crois qu'il doit rester un ou deux épisodes. On verra ça à la fin du prochain. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et à ciao.